Enfin ailleurs, la plupart des gars sont morts. Ça devrait être un jeu d'enfant de rentrer chez toi. Allez, bonne chance. Ok. Enfin ailleurs, j'ai oublié de te dire. D'après les caméras, un homme est au dernier étage. Prends soin de toi. Ah, désolé pour cette intro claquée, surtout la fin. Il est 16h03, je dois sortir cette vidéo dans 2h. C'est un peu chaud, je ferai de meilleurs trucs en 2020. Eh bien, salut. Non, je rigole, je balance ta vraie vidéo. Comment ça va YouTube? Nous sommes le 24 décembre et avant tout, je souhaite vous souhaiter de bonnes fêtes. Alors, pourquoi j'ai pas fait des vidéos pendant 4 mois? Et pourquoi je vous ai rien dit surtout? Premièrement, je vous ai rien dit parce qu'en fait, ça faisait genre depuis la rentrée, donc septembre, que j'avais rien publié parce que j'avais beaucoup d'examens. J'ai un prof de français qui nous demande énormément de travail, donc c'est assez compliqué d'avoir du temps libre. Dites-vous que j'étudiais chaque vendredi, samedi soir quasiment. C'était franchement infâme, un premier semestre désastreux, j'ai pas aimé. Mais maintenant que je suis là sur YouTube, mais heureusement que pendant ces 4 mois de pause, je pensais à YouTube. Premièrement, la création de ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai une deuxième chaîne YouTube qui va s'ouvrir d'ici 2020. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais parler vraiment de ça en détail tout bientôt. Je vais faire plus des courts-métrages, je vais faire des clips de rap, des parodies, etc. Je vais faire de l'analyse de rap, analyse pas que de rap, de musique on va dire, analyse de films, etc. Un peu plus sérieux l'autre chaîne avec une touche d'humour aussi. Elle sera hyper importante pour moi. Donc c'est pour ça que je vous demande si c'est possible d'aller vous abonner si vous aimez le contenu. Parce qu'elle va compter pour mon année scolaire. C'est-à-dire que c'est mon travail personnel de maturité. Ce sera sur cette chaîne YouTube. Je compte sur vous, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ce serait vraiment sympa, merci beaucoup. Maintenant que je suis de retour sur YouTube, j'ai pas vraiment faire de planning parce que j'ai l'impression de respecter jamais. Mais je vais publier, maintenant je suis un peu obligé de publier un peu souvent. Donc j'ai déjà préparé quelques vidéos. Cette semaine, on va fêter les 5 ans de ma chaîne YouTube. 5 ans que je suis sur YouTube, 5 ans de pur bonheur. Je vais en faire une vidéo assez spéciale coup de cœur que je vais faire qui sortira ce week-end. On va sûrement reprendre les lives, un petit moment les week-ends aussi, en semaine, mais pourquoi pas pendant les vacances. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là, je vais lancer une FAQ, que je vais répondre à vos questions en vidéo. Étant donné que j'ai des nouveaux projets, c'est mes 50 chaînes YouTube, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais vous faire une petite annonce cette semaine. Et concernant le setup 2020, j'allais pas en faire un, mais finalement j'ai eu du nouveau matériel, comme par exemple, que je vous montrerai très bientôt, un stabilisateur que je n'ai pas utilisé pour la vidéo d'aujourd'hui, malheureusement, mais ça je l'utiliserai tout bientôt, surtout sur l'autre chaîne, les courts-métrages, j'utiliserai ce stabilisateur. Ces 4 mois de pause m'ont fait un grand bien pour quelque chose aussi, c'est que quand je rentrais chez moi le week-end, je me pressais pas à faire une vidéo. Dédicace à Kermat, sa chaîne sera en description, au frérot Kermat. Et voilà, et maintenant, Claudio a aussi un PC maintenant, donc il va commencer YouTube tout bientôt. Donc je vais vous faire une vidéo avec lui pour quand il lancera sa chaîne. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous réserver pour 2020, surtout sur l'autre chaîne, quelque chose de tout nouveau que j'ai hâte de mettre en place, que je suis obligé de le faire, donc là j'ai pas d'excuses. Danny Reviews, la chaîne, dites-moi des noms en commentaire. Pour l'instant c'est Danny Reviews parce que je vais faire des reviews, etc. Sur cette chaîne Fire Danny, je vais continuer les vlogs, les unboxings, les vidéos gaming, les lives. Mais les lives seront sur Twitch désormais aussi. Et sur l'autre chaîne, ce sera plutôt des analyses, des vidéos courts-métrages, des clips de rap. Je dis pas que je vais rapper, etc. parce que je suis pas un rappeur. Mais je dis plutôt faire des parodies de rap, etc. à faire entre potes que vous allez voir par la suite. Ça va être un peu plus long à mettre en place, mais bon. 2020, le lycée, je vous en parlerai dans une vidéo moi vs le lycée tout bientôt parce que j'ai un grand coup de gueule à faire contre ce lycée qui me... Je suis désolé de le dire, heureusement que j'ai un professeur comme mon prof de philosophie, que lui, c'est un prof passionné, gentil, qu'il est là pour soutenir ses élèves. Donc monsieur prof de philosophie, si vous passez par là, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire et je vous remercie. Parce que au lycée, dans mon lycée, pas tous les profs sont comme lui.
et je ne critique pas parce que c'est... je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça, je vais pas en rentrer en détail contre la critique du lycée. Mais j'ai trop hâte de commencer les vidéos, les gars. Là, demain, il y aura une vidéo vlog avec des youtubeurs au royaume du web. Une vidéo assez sympa, j'ai passé une très bonne soirée, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y aura d'autres vlogs qui vont sortir, j'ai déjà 2-3 vlogs à monter. Mais il y aura des vidéos gaming aussi, des best-of. Des best-of sur des jeux. Et vu que maintenant Claudio a un PC, on fera souvent des vidéos dessus aussi à côté. À côté comme ça. Très très hâte de ça. Et le setup 2020, étant donné comme je vous l'ai dit, j'ai eu du nouveau matériel. Donc je vais vous montrer tout ça. Le 1er janvier sortira le setup 2020. Je crois à 11h ou à 18h30. Pour vous montrer mon nouveau décor. Le nouveau matériel que j'utilise. Je vais vous montrer pas mal de nouveautés. On va faire beaucoup de vidéos à l'extérieur cette année. Cette année 2020, il y aura des petits voyages comme ça entre potes. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Niveau scolarité, ça va être très compliqué. Vraiment compliqué et mentalement. Et même compliqué tout court, quoi. Mais on va s'accrocher et je sais que YouTube va me faire un grand bien. Donc, je vais plus faire de pause YouTube parce que j'ai l'impression que faire une pause YouTube me sert à rien pour les études. Que je suis même en faisant des pauses YouTube, c'est toujours aussi compliqué. Donc, je vais continuer des vidéos et puis merde. Bref, ça va être la fin de cette vidéo. Je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour vous dire que je suis de retour. Je pense pas qu'il y aura de pause YouTube avant juin, avant mes examens du mois de juin. Joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Bonnes vacances pour les autres aussi. C'est un plaisir d'être de retour sur YouTube et de vous montrer mes nouveaux projets. N'hésitez pas à me poser des questions pour les FAQ sur mon Instagram. Allez les gars, bonne soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager. Mettre un petit commentaire, genre va te faire enculer par ton cheval mon pote, ça me fait plaisir. Trop même. Allez les gars. Bonne soirée à tous et merci encore.